Et salut à toutes, salut à tous les amis, c'est Roro945, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour l'épisode 22 sur Marvel et Gardiens de la Galaxie. Dans la dernière vidéo, eh bien, l'équipe est sur Knowhere pour essayer de retrouver Cosmo, accompagné d'Adam Warlock qui, lui, est parti un petit peu de son côté. Nowhere, on le savait, avait été pris d'assaut par la secte. Racker donc est sur place et puis bah l'équipe essaie de se frayer un chemin jusque à la tour de Cosmo pour espérer bien le retrouver et à terme sauver Nikki. Voilà. Et ben on va retourner dans l'aventure les amis, mais avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas le petit j'aime, le petit commentaire, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, activez bien les notifications si vous ne voulez pas louper la sortie des prochaines vidéos, des lives, etc. Voilà, pensez vraiment au soutien, c'est gratuit et ça aide énormément pour la visibilité des vidéos de la chaîne, etc. N'hésitez pas également à partager, c'est vrai que je dis pas que je le dis pas, forcément à chaque fois, mais n'hésitez pas, voilà, à partager autour de vous la chaîne pour celles et ceux, voilà, qui aiment bien regarder les let's play, les jeux, etc. Et n'hésitez pas également à, pourquoi pas, me proposer des jeux que vous voudriez voir, pourquoi pas, à l'avenir sur la chaîne. Allez, on y retourne. Alors, avant ça, on va voir, on a un point de capacité, donc pour le moment, on ne peut pas faire grand-chose. On va aller voir un petit peu... on va aller voir un petit peu le journal, voilà. On s'était arrêté ici, voilà. Gamora a été prise d'une sorte de folie meurtrière, après quoi elle nous a avoué avoir tué sa sœur Nebula. Ça explique bien des choses. Je suis content qu'elle se soit confiée comme ça. J'ai pu lui dire ce que ça ne changeait rien. Attendez. Je suis content qu'elle se soit confiée. Comme ça, j'ai pu lui dire que ça ne changeait rien et qu'elle faisait toujours partie de la famille. L'équipe est récente, mais on commence vraiment à être soudés et à se faire confiance. Qui sait, on a peut-être une chance de réussir. On a trouvé Racker. Enfin, c'est plutôt lui qui nous a trouvés. Ça me fait mal de le dire, mais l'arrivée de Warlock nous a sauvé les miches. Avec un peu de chance, ils vont s'occuper pendant qu'on se charge du Cortex. Parce que maintenant, il faut aller voir le Cortex. De ce qui se passera vraiment si on n'arrive pas à l'empêcher. Ce qui est sûr, c'est que les morts reviendront pas tout sourire pour nous faire des petits calinous, hein. On n'aura pas à s'en faire pour ça. Je sais que je peux raisonner avec Nikki. C'est Racker qui fait tout ça, pas elle. Je l'abandonnerai pas non plus. Moi non plus. Ouais, et le grand arnaqueur non plus. Et il va le regretter. Ouais. Et moi, à mon avis, ça, c'est une zone de boss, hein. Nowhere se ferait attaquer, mais pas comme ça. Vous pensez que le World Mind leur tomberait dessus? Eh ben, certains convertis sont des Nova, alors t'avais pas complètement tort. Cosmo a dû graisser la patte à un tas de gens pour que cet endroit reste cool. Ah bah, la tour de Cosmo, ça y est. Nous y sommes. Abrutis gobent ces histoires d'accomplissement. Le Magus veut être annulé, et pour ça, il les emprisonne dans une illusion tout en dévorant leur âme. Je l'ai senti aussi dans ma promesse, cet appétit dévorant. Carrément. Dévorant, c'est peu dire. Non, d'un côté, toute cette lumière ne va pas au Cortex. C'est le Cortex. Comment le cabot a pu laisser faire ça? On dirait que tu vas pouvoir lui demander toi-même. Ça va mal finir. Moi, descends! Ne le sous-estimez pas, j'ai vu sortir de situations bien pires. Le chien est exposé à la promesse. Non! Laissez mon chien tranquille! Les roquettes! Gabo a intérêt à se souvenir qu'on lui a sauvé la truffe! On lui rappelle plus tard! Ah, 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 ah,
Allez, un petit rassemblement. À chaque fois, je choisis pas la bonne option à chaque fois. On tourne la tête. L'ennemi nous encercle, Peter Quill. On dirait qu'on a oublié comment se battre. Alors, j'ai rien oublié, mon grand. Mais ces ordures sont du genre coriace. Ouais, c'est vrai, c'est pas du gâteau. Mais vous avez oublié qui on est? On craint personne. Ouais que oui. Parce qu'on connaît pas la défaite, on les descend avec nos flingues. Ceux qui nous cherchent, on leur fait la fête. Qui est avec moi? Je suis avec toi, Peter Quill. Alors... Voilà. Gamora, fais un carnage. C'est un combat historique, l'ultime bataille de Nowhere. Je crois pas que ce soit le dernier combat. Bien joué, tous les deux! Belle manœuvre tactique! Oh, belle manœuvre tactique! Envoyez au paradis! Pourquoi? C'est un chien, Gamora! Gamora a bien assez de pour lui assurer la rue! On reviendra plus tard! Route! Ceci, ça nage! Où je supporte pas qu'on frappe les chiens! Putain, mais à chaque fois je me fais avoir, c'est... Allez, un de moins. Oh oh. Hey, qu'est-ce que tu fous là? C'est l'un d'entre eux hein, maintenant. C'est notre ami. Ouais, bah comme Drax quoi. J'irai pas dans sa tête de sa capuce. Ce sera peut-être pas nécessaire. Hé, hey, mon grand. Est-ce que tu... Abat-le avant qu'il soit trop tard. Non. Il est toujours là. Je l'entends. J'entends que des aboiements. Concentre-toi. Il est là. Ah, ça sert à rien. Faut l'abattre. Non. Tout doux, mon pote. Ami, tu te souviens? Toi, Peter Quill, flair de Cosmos jamais se tromper. Ouais, ouais, c'est ça, mon grand. C'est moi. On est tous là. Où ça? Cosmos en... odeur de... Nowhere? Mais tu penses pas ça, ta croquette? Son esprit est confus. Ou alors c'est juste un chien. Il peut pas nous voir. Il est toujours dans la promesse. Cosmo? Où es-tu? Qu'est-ce que tu vois? Ciel bleu et voiture à poursuivre. Cosmo est de retour. Atome, vous appelez ça maison? Il parle de la Terre.
odeur d'herbe fraîche. Sans la terre sous mes pattes. Pas de fardeau psychique, juste promenade en laisse. Et pas mal pour jouer. Si ta planète te manque tant, pourquoi ne pas y être retourné quand tu voulais? Retourner, pas la question. Pour même raison que Catassian va rentrer chez lui. C'est Nowhere, ta maison. Ici et maintenant. Nowhere, rien du tout. Crâne mort, pillé jusqu'à moelle. C'est bien plus que ça. Cet endroit est spécial. Je s'appelle Groot. Si c'est ta façon de dire que je t'ai sauvé l'écorce, alors... Ouais, et on s'est rencontrés ici. C'est vrai. Nowhere, premier endroit depuis Terre. Où Cosmo va sentir comme chien errant. Première fois, lui oublier ce qu'il avait perdu. Cet endroit est un refuge pour les marginaux comme nous. Comme toi. C'est notre maison. La Terre n'est que le caillou où tu as vu le jour. Caillou pas manqué. Ce que Cosmo avait sur caillou manqué. Poignée douillée pour dormir. Mains pour tes ventres. Collier avec nous. Toi t'aimais être la propriété de quelqu'un. Cosmo pas propriété. Cosmo membre de famille et puis un jour, famille disparue. Homme en costume envoie Cosmo dans l'espace. Pendant des années, Cosmo cherchait famille perdue. Mais niet. Tu avais des maîtres et on dirait qu'ils t'ont abandonné. Famille n'aurait pas abandonné Cosmo. Eux élevaient Cosmo depuis tout petit. Moi aussi, j'ai perdu ma famille. Ma mère a été tuée sous mes yeux quand j'étais encore un gosse. Alors, Piotr Quill devrait savoir que Cosmo travaillerait comme chien pour retrouver sa famille. S'ils font partie de ta promesse, alors ces humains sont morts à coup sûr. Ne succombe pas à la promesse de leur retour comme moi. Promesse vide, seulement jusqu'à ce qu'accomplissement commence. Peut-être que le Catassian a perdu espoir trop tôt. Ah, allez, Cosmo, tu dois bien sortir qu'un truc qui tombe par an. Piotr Quill a raison. Mes humains n'ont pas d'auteur. Ce sont de villes perversions morlées de toutes tes forces. Ah, partez. Cosmo, pas croire à vos mensonges. Ouais, c'est bien, mon grand, bien envoyé. Nowhere est maison de Cosmo. Les chiens, sa famille. Il le protégera à tout prix. Va les chercher, mon grand. On devrait pas l'aider. On pourrait avoir besoin de lui. Je ne me fais pas vraiment de soucis pour le chien. Cosmo a sa mission. Et nous la nôtre. Allons faire un tour au Cortex. Vous croyez qu'il va s'en remettre? C'est un dur à cuire. C'est bon, j'ai retenu les codes d'accès quand Groot et moi on est venus en vacances. Tu veux dire quand vous avez quitté l'équipe? Pourquoi il faut toujours que tu sois désobligeant? Flac! Que sonnerie, flac! Cosmo a changé les codes. Faut croire. Allez les gars, il faut trouver un autre accès. Tu t'es peut-être trompé en saisissant le code. Ça m'est déjà. Contourner la porte c'est verrouillée. C'est normal, t'as des saucisses à la place des doigts, toi. Regarde tes petites pattes, là. C'est agile, c'est tout beau. Max, tu peux essayer? Drôle de texture. Je sens que je vais le regretter. Faites gaffe où vous mettez les pieds. Atteignez le cortex de Continuum. Des codes volés, un séjour en prison. Qu'est-ce que vous faisiez ici, Groot et toi, exactement? On a accepté un contrat pour un type chez Manteau. Juste avant que tu débarques et que tu casses joyeusement l'ambiance. Et comment tu voulais que je me souvienne des Riders de je sais plus quoi? Si ça avait été une chanson de Star-Lord, là j'aurais cliqué. C'était quoi ça? Un tremblement de terre? Peu probable, nous ne sommes pas sur Terre. Je sais pas ce qu'ils font, mais ils viennent de passer à la vitesse supérieure. Le rituel va bientôt débuter. Excellente question. Qu'est-ce qui nous dit qu'on peut arrêter un truc aussi puissant?
La punaise aurait sûrement pu nous répondre, c'est dommage qu'elle nous ait largués. Hacker a bien dit que c'était Nikki qui avait choisi Nowhere pour le rituel. Ouais, je vais avoir du mal à laisser couler ça. Ça veut dire que c'est le Magus qui l'a choisi. Sûrement à cause du cortex et du fait qu'il offre l'accès instantané aux convertis de toute la galaxie. J'en ai ma claque des cerveaux et de l'église universelle de la nullité. Ah, je peux pas la récupérer. Je sais que ça nous ralentit. La faute aux abrutis qui ont tout détruit. Tu tenais pas un raccourci? Gardien de galaxie, Cosmo Bullshoy est envers vous. Content de te revoir. Hé, hey, y'a une armée d'illuminés qui nous sépare du cortex. Ah non, pas eux. Cosmo va reprendre la tour de sécurité où ces petits sont cachés. Sans tour, Nowhere perdu. Et chiant aussi. Ça marche. Sois prudent, mon grand. Je n'arrive pas à l'atteindre. Ouais, si on arrive à le coincer, ce sera facile. N'approchez pas des lignes! Expulse-moi ce truc, Rax! Cette espèce de mine volante me tape sur les nerfs! Bon, bah alors on les élimine, hein! Salope de soldat! Contre-leur les fesses! Le sang est découvert dans cette fosse! Essaye de te concentrer! Y'a quoi sous ce point de vidange géant? Sûrement la pire façon de mourir à Noël! Ces malheureux sont chargés de protéger la cervelle. Oh, dégueu! Il y a de la poussière de cervelle partout. Ah, c'est sûr. Il n'y a pas mieux pour t'en tracer les voies respiratoires. Ça s'appelle le poumon gris. Heureusement que j'ai mon masque. Ah non, mais ça sert à rien. Ces particules, elles sont si fines qu'elles rentrent directement. T'as sûrement déjà chopé le poumon gris, toi. Ces poumons sont déjà gris. Et comment tu sais ça? J'en ai déjà vu. Beaucoup. Comment tu peux les choper, ces trucs-là? Déprime de voir tous mes investissements partir en fumée. Quels investissements? Les capitaux d'amorçage dans le développement d'armes légales. Pour quelqu'un ah, qui veut sortir d'accord. De là, tu traînes quand même beaucoup la papate, Will. Drax, un petit coup de main là? Certainement. Pose ça là, Drax. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est de là qu'on vient? Je vais faire vite! Je sais pas ce qui donne le plus le tournis. Gardez en haut ou en bas. Ni l'un ni l'autre. Regarde tes ennemis dans les yeux. Je le ferai, hein, si vous pouvez. Fixer leur entrejambe, c'est moins efficace. Un. Comment t'es censé aller là? J'ai faim. Combat? Je n'ai rien mangé sur le vaisseau. T'as qu'à te servir dans la matière grise? Ça peut attendre. Rax, par ici, vite! Je me déplace aussi vite que nécessaire. Oui, c'est que je déconne, hein? Comment ça? Mais ça n'existe pas, le poumon gris! Ouais, je le savais. Vous étiez au courant? Évidemment. Ah, tu me fais trop rire, Quill.
tranquille. Ça a l'air assez costaud pour s'accrocher. Ouais, montre-moi où. Ah. Elles contiennent quoi, toutes ces tours et ces capsules? Y a pas de zonage ici, alors ça peut être n'importe quoi. Moi j'en connais une qui fait à la fois bibliothèque et capsule de plaisir. Qu'est-ce que tu vois? La même chose, mais de plus haut. Ça m'étonne que Thanos ait pas essayé de s'emparer des ressources de Nowhere pendant la guerre. Ne sous-estime pas l'influence politique du collectionneur. Il a de quoi corrompre tout le monde. Mais personne ne peut corrompre l'Église. Elle n'accepte que la soumission. Fais gaffe, cet endroit est en train de tomber en ruine. Vous avez découvert un établi ? Ah ! Ils la remettront sur pied. Tête géante n'a pas de pied. Avant, si. Alors, ils ont abandonné tout ça quand ils ont découvert le cortex ? Par abandonner, je veux dire que le cabot a pété les plombs et fichu tout le monde dehors, alors ouais. C'est pas étonnant. Imaginez si cette chose tombait entre les mauvaises mains. Hé, hey, Groot, tu peux m'amener là-haut? Voilà, là, c'est top. Je ne vois pas en quoi ça nous aide. Je veux juste voir à quoi ça ressemble d'en haut. Tu veux fouiner? Exactement. Ça sent trop bizarre ici. C'est la matière grise, ça finit par pourrir au bout d'un moment. Ça sent le métal et... je sais pas, un autre truc. Le craie. C'est quoi ça? Ce sont les sécrétions d'une limace catastrophique. Je pensais pas vraiment à de la pisse de limace. C'est une odeur unique. Alors, voyons ce qu'on peut faire avec ces pièces. Hop, on va pouvoir se prendre ça. Et on a tout. 15 sur 15. Même moi, je pourrais pas casser ça. C'est une façon de le dire. C'est une description précise. Ah ouais, mais ça nous aide pas beaucoup, hein. Ce truc est peut-être sur le point de péter. Oh non. Et... bah. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ah, ah. On récupère ça, même si je pense que il y aura plus forcément utilité. Que font les acheteurs avec toute cette matière grise? Ils achètent aussi des éclats d'os et de la moelle épinière. Et ça va, Rocket? Non. Non, ça va pas. Le cortex, Nowhere... qu'est-ce que va devenir cet endroit? Avec son alcool frelaté et son argent sale, ce trou crasseux, c'est ce qui se rapproche le plus d'une maison pour moi. C'est pas la première fois que quelqu'un essaie de s'emparer de Nowhere. Et ce sera pas la dernière. Mais on peut toujours compter sur Cosmo. Quand on aura viré l'Église d'ici, il refera une santé à la planète. Ouais, bah pas trop quand même. Merci, Quill. Je me disais... les habitants de Nowhere sont prudents, c'est vrai. Il y a un petit problème qu'on va devoir résoudre. Comment on va arrêter le cortex maintenant qu'il est chargé à fond? Ça m'étonnerait qu'on trouve un bouton veille sur le côté. Tu crois que tu pourrais le pirater? Eh, on n'est pas en train de parler d'un vulgaire grippin, là, hein? Ah, et bah dans ce cas... sauter. On est en présence de forces qu'on connaît pas. L'explosion nous tuerait. Je m'en chargerai pendant que vous prenez la fuite. Ce sera un honneur. Mais t'y connais rien en explosif, toi. Et on parle de Nowhere, là, je signale. Je ferais pas exploser Nowhere. Dis-nous. Faudrait plutôt se concentrer sur ces conduits de foie. Il paraît qu'ils sont tous redirigés vers la même jonction. Ça doit être le point faible. Alimenté par la foi. J'espère que
démon. Je trouverai d'autres moyens de vous tuer. Grâce est réputé pour ses techniques originales. Pas si on met fin au projet scientifique pourri de Racker. J'en ai ras le bol de ces engins qui ramènent des trous. Il faut qu'on arrête de se battre comme ça. Pas vraiment le choix là, il tire, on riposte. Par ici. On va devoir encore escalader de la matière grise. Il faut d'abord franchir ce trou. Je vous préviens, hein. Quand tout sera fini, je file à la douche en preps. Allez, Groot. On va faire notre propre plan. Est-ce qu'il n'y avait pas un truc à récupérer quelque part avant ? Bon, apparemment, ça a l'air tout bon. Ah, j'espère vrai. Putain, je sais pas ce que c'est ce truc-là, mais... Vraiment, Quarlock va faire son boulot. Je s'appelle Groot. Ah non. Boucle d'or compte pas sur nous, non. Pour lui, on n'est qu'un tas de taches sur sa belle cape. Il a vu de quoi on était capable. Et surtout, nous on sait de quoi on est capable. Il y a peut-être un moyen d'envoyer nos wares directement dans la faille. On peut pas prendre ce risque si Nikki est là. Ok, tout doux maintenant. Une fois qu'on aura récupéré Nikki, on attend que Warlock nous rejoigne. Et la punaise aussi. Notre plan implique beaucoup de gens. Allons-y, une étape à la fois. Commençons par sauver Nikki et empêcher l'accomplissement. Quel esprit pratique! J'essaie simplement de pas mettre la charrue avant les bœufs. Faites gaffe, c'est un peu... D'accord. Par ici! On va devoir encore escalader de la matière grise. Allez, Groot! On va faire notre propre pont. Fais gaffe aux secousses. Ah, j'espère vraiment que Warlock va faire son boulot. Je s'appelle Groot. Ah non. Boucle d'or compte pas sur nous, non. Pour lui, on est qu'un tas de taches sur sa belle cape. Ok, tout doux maintenant. Une fois qu'on aura récupéré Nikki, on attend que Warlock nous rejoigne. Et la punaise aussi. Notre plan implique beaucoup de gens. Allons-y, une étape à la fois. Commençons par sauver Nikki et empêcher l'accomplissement. Quel esprit pratique! J'essaie simplement de pas mettre la charrue avant les bœufs. Ce serait complètement absurde. En plus, c'est pas le moment de jardin. Faites gaffe, c'est un peu... Peter, tu t'en occupes? Carrément. Regardez bien. Surprise, les bouts du bulbe! Sauf que cette fois, il n'y a pas de résistance pour nous aider. Livraison de douleur en approche. Une fois à l'intérieur, j'ai besoin de souffler un peu, Groot. Prends pas mon couloir si quelques-unes de mes balles finissent dans cette tournure. Je bouillonne de rage. N'oublie pas d'utiliser son long plan. Ces traîtres ne s'arrêtent jamais. Louez ce traître au sol pour que je lui brise le crâne. Fais-en des sushis. À toi, Drax! À notre tour, Rocket! Prends
pas les gens. Je veux juste te plomber. Ah, à nouveau. Ok, alors on va utiliser pour Drax, et comme ça tout le monde aura ses trucs débloqués à part Root qui n'a pas encore sa capacité spéciale, on va dire. J'ai toujours chaud. Alors mets-toi en mode bouillant. Ha, c'est fait. Vous pensez à quoi? Je pense que si Boucle d'Or l'a pas encore achevé, j'ai commencé par trouver Nikki. On l'éloigne de ses timbrés. Et après, on s'occupera de Warlock et de Mantis. Nous allons sauver ta progéniture, Peter Quill. Oh, bah, on peut toujours rêver. On la perdra pas une deuxième fois. Ok. Qu'est-ce qu'on doit faire du coup ? Ok, c'est par là. Taisez-vous. Qu'est-ce qu'ils ont fait au Cortex ? Nikki ! Ils l'ont attaché à leur saleté de machine, et la main redirige l'énergie deux fois de toute la galaxie vers elle ! L'accomplissement a commencé ! On doit la sortir de là, mais comment ? Si on libère la main, on les prive d'énergie. Je compte quatre câbles, arrachons-les ! Tout, Rocket! Que quelqu'un a vu Raptor? Tu l'entendras hurler avant même de le voir!
Groot. Avec toute cette fois des intestins qui se ressentent. Les points ont eu raison d'un coup de gueule, éliminer 10 ennemis affectés par la capacité IR de Kata de Drax. Il faut qu'on s'implique là avant que ça la tue. On va pas, donc l'énergie se déversera de la main. Peter, c'est pas une décharge? Choquant. Découpe-moi ça. Pas de trancher. Je vais te tuer à la cœur. Il a fait à cet enfant. On la libère! On libère Nikki! C'est un break que j'ai rien fait de victime! Et maintenant! La tête dans le cou, on régénère ses copains! Merci, Gamora! Il est maudit! Ne l'attaquez pas ou la malédiction s'abattra sur nous! La vraie va rediriger tes cours! On arrive, Kiki! Ne sois pas tombé! On doit détruire! Il est grand temps que je poignarde quelqu'un! Alors, attendez. Il faut qu'on se concentre. Regardez la main. Ok. Un de moins. Encore trois. Ok. Oh. Si on éteint ce truc, on sauve l'univers, pas vrai? Théoriquement, oui. Il faut que ce soit si haut. Ces âmes perdues ne savent pas quand s'arrêter. Sa foi ne l'a pas sauvée de la mort. Ok, 2-2. Ça en fait 3. Et le dernier, il est tout en haut là-bas. Allez! Oh, mais. Je fais mon mieux pour éviter les balles! Putain, mais pourquoi à chaque fois t'es obligé de tomber, quoi? Le fanatique a rejoint son créateur! Oh, c'est chiant! Allez, le dernier. Et c'est parti, oh non ! Les gars ! Je vais avoir besoin d'aide ! Yeah.
Il a pas fait un doigt à la fin? Nikki! Ça va aller, je suis là. Oh. Dis de me toucher! Pourquoi tu tiens absolument à tout gâcher? Si tu ne veux pas me rejoindre, alors fiche le camp. Tu vois, moi, c'est pour ça que j'ai pas de gosse. Nikki, ça se terminera pas comme tu le penses. Et qui a dit ça? C'est toi? J'ai vu ce que tu as fait. Tu n'es pas bien placé. En moi, la promesse va enfin s'accomplir. Elle ne réalise pas que son plan a été déjoué. Ça, un petit contretemps. N'est-ce pas, grand unificateur ? Cortex n'avait pour but que d'alléger votre fardeau, matriarche. Nous allons nous replier. Je vous en prie. Donnez-moi une excuse pour le tuer. C'était lui ? Le premier réceptacle divin ? Une pâle copie de votre magnificence, matriarche. Qu'il me contemple, rattrapant son échec. J'irai moi-même puiser la foi à travers toute la galaxie, s'il le faut. Si vous pensez pouvoir tenir... Je tiendrai, quel qu'en soit le prix. Nikki... C'est pas vrai. T'inquiète, nous irons pas loin. Bouton d'or à un mouchard pelé au miche. Répète ça ? Ouais, je vais tirer dans les fesses sur le pont au cas où il nous lâcherait encore. On n'a plus qu'à retourner au Milano. Rocket, ne change jamais. Nulle part où aller, terminer le chapitre 12. Mouchard en ligne, je confirme que Boucle d'Or est à bord du Scato Sancta. Attachez vos ceintures, on fonce dans le tas! Ah, chiotte! Pas de gros mots. Attendez, je les tiens. Système d'Alpha Herculis au centre de la constellation. Ok, j'ai saisi les coordonnées. Ils nous échapperont pas cette fois. Coupez tout, coupez tout! Quelque part là-dedans, on doit trouver une solution. Oui, nous pourrions les soumettre avec une armada largement supérieure. Malheureusement, nous n'en avons aucune. Écoutez, c'est quand on est dos au mur qu'on bosse le mieux. Quelqu'un a bien une idée. Gamora, des idées? La Terre, peut-être des héros qui pourraient nous aider. Qui ça, les mecs en collant? Des collants surpuissants. Faites-moi confiance, la Terre est complètement à la masse. Ce qu'il nous faut, c'est une flotte. Groot, toutes les idées sont bonnes à prendre. Je s'appelle Groot.
Toutes sauf celle-là. On demandera pas l'aide des Chitori. Ça, c'est le genre d'idée farfelue qui pourrait marcher. Mais non, pas celle-là. Il nous poignarderait dans le dos. Ouais, ou directement entre les deux yeux. Rocket, t'as une idée? Pourquoi pas les ravageurs? Tu pourrais demander une trêve temporaire. Yondu est en train de croupir au kiln grâce à moi. On peut le faire sortir. Quoi? Attaquer le kiln? Je préfère encore affronter la flotte de l'église. Je peux le faire sortir. Ouais, je mise sur Gamora. Oui, moi aussi. Moi aussi, mais ça servirait à rien. Le reste des ravageurs a été dispersé pendant la guerre. Les survivants se planquent ou sont emprisonnés sur une dizaine de planètes paumées. Et à quoi ça sert un pirate sans son vaisseau? Drax! Tu as du sang royal. Il est peut-être temps que le prince de Spartax fasse son grand retour et rallie ses sujets. T'es allé sur Spartax récemment? Négatif. Mais la technologie Spartoï est bien supérieure à... Spartax a été pillé pendant la guerre à cause de sa technologie. On peut même plus y atterrir. Attendez. Et si la solution nous bavait au nez depuis tout à l'heure? Peter Quill, cette bête ne peut pas piloter un vaisseau. C'est pas vraiment à ça que je pensais. Réfléchissez. Camille nous sert pas à grand-chose, mais elle a encore moins d'intérêt pour l'église. Il cherche à manipuler des gens. Je parie qu'ils se fichent des animaux. Ils s'en sont pris à Cosmo. L'esprit de Cosmo est bien supérieur au nôtre. C'est vrai, son intelligence le rend vulnérable à la promesse, exactement comme Rocket. Merci, mais je suis pas un animal. Bon, le fait est qu'on connaît quelqu'un qui a une armée entière de bêtes, et dont Racker ignore sûrement l'existence. Comment être sûr qu'elle n'a pas été convertie? Je m'appelle Groot. Gardien de la galaxie! Merci, mais non merci. T'es conscient qu'elle veut nous dépecer et nous jeter en pâture à ces monstres? Croyez-moi, c'est la solution. C'est notre seul et dernier espoir. On va devoir s'excuser et trouver un moyen de faire la paix. Ok, on va lui trouver un cadeau, une offrande. Groot retournera pas dans une cage. Non, non, c'est pas ça. Faut voir plus gros. Beaucoup plus gros. La créature dont elle a toujours rêvé. Et Drax sait de quoi je parle. Oh oui! Ah non, hein, pas question. C'est parti! Savez où on va? Sur ma Clou 4! Pour raconter le légendaire Fin Fang Foom! Bien sûr qu'on va traverser sans problème, hein? On dit que les anneaux de Maclou 4 font pleuvoir des flammes perpétuelles sur les abominations qui séjournent en dessous. Charmant. Je parie que c'est encore pire que ça en a l'air. En effet, nombre de mes frères et sœurs ont entrepris cette quête insensée et n'en sont jamais revenus. Comment tu veux le poser en un seul morceau s'il faut tout éviter là? Les stabilisateurs sont HS, le système de réparation est surchargé. Si nous devons nous écraser, laissons au moins tomber sur Fin Fang Foom. Personne va s'écraser. Oh, qu'est-ce qui... Oh, Black,
pouvez essayer de pas tout percuter? Ouais, c'est l'objectif! Ces montagnes sont dangereuses, Peter Quill! Je sais, je sais! Je fais de mon mieux! T'es sûr? Ok. Mais c'est quoi ce délire? Il faut éviter les trucs et t'as pas le temps en fait. Les stabilisateurs sont HS, le système de réparation est surchargé. Si nous devons nous écraser, laissons au moins tomber sur Fin Fang Foom. Personne va s'écraser. Oh, que si! Ces montagnes sont dangereuses. Mais comment? Parce que en fait, tu peux pas ajuster la hauteur. Tu peux juste aller de droite à gauche en fait. Les stabilisateurs sont HS, le système de réparation est surchargé. Si nous devons nous écraser, laissons au moins tomber sur Fin Fang Foom. Personne va s'écraser. Je comprends pas. Les stabilisateurs sont HS, le système de réparation est surchargé. Si nous devons nous écraser, laissons au moins tomber sur Fin Fang Foom. Personne va s'écraser. Oh, qu'est-ce que c'est? Ces montagnes... J'essaie de ralentir. Vire, vire. Arrête de crier. Vire. Attention à ce truc, putain! Tu peux essayer de pas tout percuter? Putain, mais c'est un délire! Les trucs de glace, on se les prend! Mais ça doit être fait exprès! Et un coup, ça nous fait exploser, quoi! Alors il faut faire exprès de... Tu peux essayer de pas tout percuter? Ouais, c'est l'objectif! Vire, vire! Arrête de crier! Vire! Pardon, je voulais pas toucher ça! Attention à ce truc! Ouais, j'ai compris! Ouais, je comprends pas. Là, on a aucune indication. Le système de réparation est surchargé. Si nous devons nous écraser, laissons au moins tomber sur Fin Fang Foom. Personne va s'écraser. Oh, qu'est-ce que c'est? Ces montagnes sont dans le... Oh là là, mais c'est incroyable. Je passe au même endroit que tout à l'heure, et là, ça ne passe pas, tu ne sais pas pourquoi. Laissez au moins tomber sur Fin Fang Foom. Personne va s'écraser. Oh, qu'est-ce que c'est? Ces montagnes sont... J'essaie de ralentir. Vire, vire. Arrête de crier. Vire. Attention à ce truc, Peter. Oh là là, mais tu sais pas c'est dans quel sens, c'est à droite ou à gauche? Bon, allez, on réessaie une dernière fois, et sinon, on se reprendra une fois que on aura réussi à passer ce passage-là. Personne va s'écraser. Oh, qu'est-ce que c'est? Ces montagnes sont dangereuses, Peter Quill. Je sais. Je fais de mon mieux. Tu peux régler la... Là, comment ça s'appelle? La hauteur, en fait.
Enfin, l'altitude. Les stabilisateurs sont HS, le système de réparation est surchargé. Si nous devons nous écraser, essaie au moins de tomber sur Fin Fang Foom. Personne va s'écraser. Oh, que si. Ces montagnes sont dangereuses, Peter Quill. Bon. On va s'arrêter là, les amis. On va s'arrêter là, je vais faire ça de mon côté, et dans la prochaine vidéo, eh bien, on reprendra quand on aura réussi à passer ce moment. En tout cas, n'hésitez pas à laisser le petit commentaire, à vous abonner à la chaîne, à liker. Je vous dis à très très bientôt les amis, salut!